Yako Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une toute petite vidéo dégustation. Donc cette vidéo est bien entendu un bonus, mais j'avais très envie en fait de partager avec toi cette petite dégustation. Donc on va tester un seul et unique produit, tout simplement parce que sur le site Candyson je n'ai rien vu de très folichon. Il n'y avait pas grand chose en fait qui m'intéressait, et en plus à part faire les packs, packs découvertes etc, où on avait entièrement des produits Halloween, et ben dans les produits qu'ils ont ajoutés que l'on peut choisir soi-même, il n'y avait pas vraiment grand chose et pas grand chose du tout d'intéressant. Je n'ai pris du coup que un paquet du coup de Pucho version Halloween, à savoir que les Pucho c'est quand même un truc que j'ai déjà présenté plus d'une fois sur ma chaîne, et que du coup ce sont des bonbons que j'adore, donc je me suis dit allons-y. Ils ont sorti une version Halloween avec 4 parfums différents. Donc je me suis dit faisons-nous plaisir, on va tester du coup des Pucho version Halloween. Donc du coup voici à quoi ressemble le paquet. Voilà, et on peut voir ici que soit on a des tatouages je suppose, ou des autocollants en rapport avec Halloween. Mais en fait on va avoir par exemple une toile d'araignée avec une araignée, mais en fait c'est un Pucho l'araignée. Ils ont juste dessiné des pattes pour faire une araignée, donc ça je trouve ça juste trop mignon. À l'arrière on va avoir seulement l'emballage des 4 sachets, je te mettrai une photo sinon à côté. Et voilà, on est vraiment sur un truc très coloré, et j'aime énormément le packaging. Donc du coup, c'est parti, on va ouvrir ça. Donc ce que j'aime bien, c'est que l'ouverture facile est en bas. Ça casse moins l'écriture en fait qu'il y avait écrit, donc ça c'est plutôt pas mal. On est vraiment sur une ouverture facile. Oh, ça se mélange au niveau des odeurs. On a ça, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est juste un truc pour conserver ou c'est les fameux autocollants? C'est le fameux petit tatouage. Alors c'est bien un tatouage, et c'est du coup le tatouage que je te disais avec l'araignée. Je ne sais pas si tu verras. Donc voilà, donc ça je ne vais pas l'utiliser en tant que tatouage, mais je le mets quand même de côté. Donc du coup, en ce qui concerne les petits sachets, ce que je vais faire, c'est je vais faire des photos et je posterai aujourd'hui sur Instagram pour que tu puisses bien voir. On a carrément le petit détail de la citrouille. J'essaye de trouver, c'était comment les emballages. Donc ça c'est un parfum, ok, on a un rose. Oui, j'ai le rose ici. Je sais pas du tout si on verra suffisamment. Donc là on a... Oh c'est trop mignon. On a du coup un Pucho avec des bandages en mode momie. C'est trop chou. J'adore leur principe franchement. Le orange. Voilà, avec un Pucho en diable. Trop mignon. Et à l'arrière on a une tombe. C'est trop chou franchement, j'adore. Ils sont dingues les Japonais. Et du coup il m'en manque un, c'est quoi? Le noir. Noir, c'est noir. Non, c'est celui-ci. Donc je suis désolée, on est déjà quasiment 2-3 minutes pour juste avoir attrapé les coups de chaud. Mais je voulais quand même que tu vois. Oh l'arrière, j'avais pas montré. C'est génial. Je suis comme un gamin, je suis désolée, mais là je suis vraiment en mode gamin. Parce que j'adore ça, j'adore Halloween et j'adore les bonbons et j'adore en plus les Pucho. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va commencer du coup avec le premier que j'ai pioché, qui est l'espèce de bleu avec la citrouille toute seule. Et ah, j'avais pas montré et pas dit. À l'avant, en fait, c'est un Pucho avec sorcière. Donc avec la cape de sorcière, le balai, le chapeau. Trop mignon. J'en suis dingue, genre packaging. Donc c'est parti. Que j'aimerais, c'est pas déchirer la sorcière, donc c'est un peu compliqué. Et bien sûr, j'ai pas de ciseaux. On y est encore demain. Oh, ils sont trop beaux les emballages, sans déconner. Bon, donc j'ai pas de chance, mon Pucho a fondu. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais mon Pucho a carrément fondu. Mais bon. Alors, j'essaye en fait de trouver le goût. On va ouvrir celui-là en attendant. Donc du coup, en ce qui concerne le premier Pucho, si je ne me trompe pas, c'est bien ça le nom, hein, Pucho. Je n'ai pas du tout ressenti de goût en particulier. Par contre, à savoir que les miens ont complètement fondu. Mais en même temps, étant donné que j'ai commandé ça le 6 septembre et que j'ai reçu ça le 6 octobre, on était en pleine période où il faisait super chaud. Donc je pense qu'ils ont tous fondu. Donc celui-ci, j'espère qu'il est au raisin. Ouais, il est au raisin. Mon violet, par contre, j'aime pas le raisin violet, mais bon.
On est bien sur un goût de raisin. Alors le noir me fait un peu peur, mais allons-y. Donc du coup, en ce qui concerne le poucho avec l'emballage rose, on était bien sur du raisin violet. Celui-ci, je suppose que ça va être du melon. Donc du coup, en ce qui concerne le poucho avec le packaging noir, on était bien entendu, comme je l'ai deviné du coup, sur le goût melon. Là, on va attaquer du coup avec le poucho avec le packaging orange et son petit diable. Et j'espère du coup qu'on va être sur un goût citrouille, ça pourrait être plutôt pas mal parce que là, au final, on n'a rien de très Halloween. On n'a pas, voilà, le melon, bah c'est melon, le raisin, on l'a tout le temps. Le blanc, j'ai pas réussi à retrouver ce que c'était. Et là, l'odeur en fait sort pas beaucoup de ça, donc c'est assez difficile du coup de trouver l'odeur. Donc en ce qui concerne le poucho avec le packaging orange et son petit diable, donc j'aurais aimé personnellement que ça soit au goût citrouille, mais en fait c'était tout simplement au goût de l'orange. En même temps le packaging était orange, j'aurais un petit peu dû m'en douter, mais personnellement j'aurais bien aimé un goût de citrouille. En ce qui concerne du coup les puchos, là ce que je peux te dire c'est le désavantage de moi et la température, c'est tout simplement qu'ils étaient fondus. Parce que l'avantage du pucho en fait c'est que vu que c'est comme un créma, on le coupe normalement en deux quand on le mange. Donc on a deux sensations complètement différentes au niveau du goût dans la bouche, parce qu'à l'intérieur il y a des petites matières en fait complètement différentes. Donc en ce qui concerne ça, c'était dommage du coup que le mien ait fondu, mais avec les températures qu'on a eues qui étaient quasiment des températures pardon d'été, eh ben, c'était évident. En ce qui concerne du coup les puchos, les 4 que j'ai testés, je te dirais que bah, le premier, vu que je n'ai pas réussi à trouver trop son goût, pour moi il était limite nature, donc je ne savais pas du tout quoi en penser. Mais en ce qui concerne les 3 autres puchos avec des goûts auxquels j'ai pu du coup reconnaître leur parfum, je les ai tout simplement adorés, bien que à savoir que je ne suis pas spécialement fan du raisin violet, j'ai une large préférence pour le raisin blanc, que ce soit à manger ou en bonbons, boissons, etc. Voilà, cette petite vidéo dégustation est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter et à me dire du coup si ces puchos toi t'intéressaient ou pas, ou t'aurais intéressé. N'hésite pas à me dire du coup si tu veux que je te fasse une vidéo dégustation spéciale Noël en rapport avec le site Candysan. Je te mets ici du coup un code promo pour avoir moins 5% à chacune de tes commandes. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt.